remis en liberté sous contrôle judiciaire le samedi 24 juillet 2021, l'ancien champion automobile Jean-Louis Schlesser a été jugé par le tribunal correctionnel de Nice, mardi 24 août. Il lui était reproché des faits de violence avec arme ainsi que de détention d'armes. La justice a été clémente. Comme le rapporte Nice Matin, Jean-Louis Schlesser avait été arrêté et brièvement placé en détention provisoire suite à la plainte d'une certaine Aïna. Une femme qui tient un restaurant à Nice. En mai dernier, elle assure que l'ancien sportif se serait présenté dans son établissement, face à elle, pour lui remettre une enveloppe. Mais, sans dire un mot, il aurait ouvert son blouson pour lui montrer une arme. Une intimidation qui aurait eu grand effet sur la plaignante a été démentie par l'accusé devant la cour. Il jure que celle-ci aurait menti pour être certaine que la police prenne sa plainte au sérieux. Si Jean-Louis Schlesser avait Aïna dans le collimateur, c'était en réalité à cause du mari de celle-ci, Sultan. En effet, à le croire, ce dernier aurait entretenu une relation toxique avec sa propre épouse. « Je voulais qu'il cesse de nous importuner », a expliqué l'accusé, pour justifier sa démarche contre le couple adverse. On apprend au passage que Madame Schlesser et Sultan auraient entretenu une liaison ayant mal tourné puisqu'une plainte pour viol avait été déposée mais classée sans suite par le parquet en janvier. L'ancien champion, aux 2 victoires dans le Paris-Dakar et aux 5 titres de Coupe du Monde des rallyes raid, a reconnu avoir des armes à son domicile mais n'a pas manqué de souligner qu'elles ont entre 30 et 40 ans. Après 3 heures d'audience, Jean-Louis Schlesser a été relaxé du délit de violence avec arme. En revanche, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende pour détention d'armes. Un moindre mal puisqu'il évite ainsi de finir derrière les barreaux.